Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis, chers internautes, chers sympathisants de l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil, chers amis de Radio Télé-Soleil qui, chaque jour, suivez les différentes émissions et programmations de nos réseaux, bonjour, bonsoir à chacun, chacune de vous. Je suis très heureux, comme d'habitude et comme chaque fois et comme chaque jour, d'être avec vous encore une fois pour continuer notre aventure. Les aventures sont distinctes. Souvent, il s'agit de célébrer les mystères de la foi. Ça, c'est la liturgie. Souvent, il s'agit de célébrer les mystères de la foi par la liturgie des heures. C'est le bréviaire. Souvent, il s'agit tout simplement de donner des conférences, et ces conférences font partie des enseignements, comme c'est des émissions que nous vous donnons. Ainsi, le plaisir se multiplie à chaque fois qu'une occasion se présente pour vous d'être avec moi, ou pour moi d'être avec vous. Alors, je vous salue, je vous dis paix et joie dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre marche à travers l'église locale d'Haïti et la musique sacrée. C'est vers ce thème que nous allons et c'est cette émission que nous vous offrons aujourd'hui. Bien entendu, nous avons fait un bon chemin, peut-être un beau chemin, un chemin bien clairsemé, mais clairsemé de belles fleurs, pas uniquement d'épines. Nous avons été capables de remarquer sur notre parcours combien il y a, comment dire en anglais, stumbling block, c'est-à-dire ce qui nous fait buter. Mais nous nous sommes relevés à chaque fois parce que nous avons compris que c'est le fait même du chemin que de pouvoir tomber et se relever. C'est parce qu'on est sur le chemin en train de marcher qui fait que c'est possible. Celui qui est tout simplement là, comme un paquet, ne va pas avoir cette réalité bien humaine, mais bien extraordinairement logique dans la compréhension de notre marche. Ainsi, ce titre, l'Église locale d'Haïti et la musique sacrée, c'est comme déjà tracer un itinéraire pour dire qu'il nous est possible de construire l'Église synodale, ou du moins que l'Église synodale peut être construite aussi par la musique sacrée. C'est ça, m'devrait dire nous, c'est ça, moi, dit nous. Alors, donc, nous pourrons faire ça, journée, jeudi, là. Pas oublier, nous te font bon petit parcours, côté nous te parlé de qui ça? Nous te parlons de musique en général, ensuite nous te parlons de comment rentrer dans mystère, chant, musique sacrée, et puis nous te parlons de différents documents qui montrent ça. Et puis après ça, nous devons nous arrêter sur identité chant même. Et là, nous te dit bagaille qui conséquent. Te dit que le chant, c'est peut-être la mélodie du cœur qui va à la rencontre de la réalité. Nous avions dit que le chant, eh bien, c'est le signe de l'amour partagé qui répond à l'amour répandu dans nos cœurs. Nous avons dit que le chant, c'est peut-être le plus sublime du cri d'admiration de l'homme face aux merveilles de la création et de la nature. Nous avions dit que le chant est tout et peut-être n'est rien, et que le chant a une valeur instrumentale, et que le chant est là pour accompagner les rites, accompagner les actions liturgiques, que le chant est lui-même souvent le rite en soi. Nous avons dit tout cela. Nous avons bien compris tout cela. Donc nous avons dit que le chant est tout simplement du sublime à portée de main. Et Augustin, Saint Augustin, le grand Augustin, l'inimitable Saint Augustin dit que, eh bien, chanter, c'est le propre de l'amour. Seul l'amour sait comment chanter. Si on n'aime pas, on ne chante pas. Et donc, ça veut dire que c'est l'amour qui donne des ailes au chant. Voilà ce que dit Augustin. Et nous avons exploré aussi le fait que chanter
n'est pas prier de foi. Mais bien chanter peut conduire à prier de foi. Nous avons vu comment justement ce béni, alors dans le cantat, eh bien, avait fait toute la différence de ce que la chose est sous nos yeux. Voilà, zanmi myo, sèm frèm. Comme nous finons le concert, ils nous font l'autre pas. Nous finons parler de chant et nous te dit il y a trois éléments fondamentaux. Nous avons parlé de voix qui mêlée à parole dans la liturgie pour bailler chant. Nous dit qu'il y a chant proprement dit, ensuite il y a psalmodie et puis il y a cantillation. Nous te dit faut nous parler de chaque. Mais comme nous parlons de chant déjà dans la globalité, il y a un lieu pour nous aborder l'autre deux aspects. Donc c'est ça qui fait, nous allons entrer directement dans la cantillation. Donc avant de nous entrer dans la cantillation, bien entendu, pardon, nous ne pas entrer dans la cantillation, nous allons entrer de préférence dans la psalmodie. Cantillation, on apprend après. Ok. Avant de nous entrer dans la psalmodie, nous faisons une pause tout petit, de façon pour capable entrer puis fond dans le mystère ça, pour peut-être comprendre puis bien le mystère ça. Et puis pour voir qui côté là mène nous, qui côté là mettez nous. Ok? Petite pause et je reviens. De retour après la pause, chers amis, pour continuer cette belle émission aujourd'hui qui va nous conduire à regarder la psalmodie et peut-être aussi la cantillation. Restons d'abord au niveau de la psalmodie. Alors, pour parler de la psalmodie, il faut dire qu'il y a les psaumes. C'est parce qu'il y a des psaumes qu'il y a de la psalmodie. Maintenant, pour avoir les psaumes, il faut avoir un psautier. Donc, ça veut dire qu'il y a trois mots qui viennent tout de suite frapper à notre entendement. Le psautier, le psaume, la psalmodie. Et donc, le psautier engendre d'une certaine manière le psaume, mais nous disons que c'est l'inverse. C'est le psaume qui engendre le psautier. Et le psautier, maintenant, demande justement qu'il y ait une modalité d'exécution, et ça nous donne la psalmodie. Voilà comment nous pouvons dire cela. Mais maintenant, lorsque nous disons psautier, psalmodie, psaume, de qui ça n'a pas parlé? Est-ce que tout le monde connaît, comprend, ou est senti côté nous y est là? Alors, c'est dans ce sens-là, moi, j'ai commencé par parler de psalmodien en parlant des psaumes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un psaume? Léo dit non psaume, ça y dit non. Ma banon bagay qui plus simple. Un psaume, eh bien, c'est une prière rythmée et rimée. Un psaume, c'est une prière rythmée et rimée. C'est une distribution qui plus simple de cabanon. Donc, ça veut dire, un psaume, c'est un poème en premier lieu. Poème, ça, il prend forme alphabétique. Ça veut dire, tant qu'on dit A, B, C, D, eh bien, on dit à lettre, bête, guimel, eh bien, c'est comme ça, nous joignons directement dans la langue hébreu, parce que c'est dans la langue ça, eh bien, nous joignons psaume écrit. Donc, nous considérons psaume même. Nous disons que c'est un gros univers qui est dans la Bible. Et ce mieux, nous ne pouvons pas dater. Parce que nous écrit dans une période qui est aussi longue que à peu près, pendant à peu près une douzaine de siècles. Nous disons que David, c'est lui-même qui a initié le mouvement, écrit et prié psaume. Et en façon, lui-même, il a fait. Qui fait que normalement nous venons en correspondance directe avec David. Nous dit dans la Bible, il y a 150 psaumes. Il dit 150 psaumes de David. Bien entendu, nous savons qu'on est, ce n'est pas 150 psaumes, David écrit. Mais il met David ensemble avec lui parce que David, c'est l'initiateur du mouvement. Et puis, il y a des psaumes que nous relayons, des psaumes
de Salomon. Et puis, il y a des psaumes que nous jouons tout dans l'autre texte, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et pourtant, normalement, il n'y a pas directement dans le livre des psaumes. Donc, nous avons fait une belle littérature sur ça, oui, pour au moins dire comment nous faisons gagner le livre des psaumes, non? Comment nous faisons gagner un bijou ça qui est à notre disposition et comment, de tout temps, nous avons utilisé le bijou ça. Mais nous n'avons pas fait histoire ça. Parce que nous estimons que ce n'est pas histoire ça qui est plus important pour nous capables de faire. Si nous voulons définir psaume, nous nous disons que psaume, malgré son poème lié, son prière lié, mais c'est d'abord en louange. Salterion, c'est en louange lié. Donc, nous n'avons pas l'entrée dans une bonne information que moi déjà baillé ailleurs sous question psaume, de façon pour nous perdre la route là. Mais nous dit que depuis nous parler de psaume, nous parler de louange. Nous parler de louange qui sortit dans cœur monde pour aller joindre bon Dieu. Nous parler de monde qui sentit redevable envers Dieu. Depuis nous parler de psaume, c'est ça nous dit. Bien entendu, je ne vais pas parler de Sauptière. Si je parle de Sauptière, comme je dis que Gagné est divisé en plusieurs livres, peut-être même en cinq livres. Il faut que je dis que Gagné une division fait en dans le livre psaume. Et puis Gagné directement de différents types de psaumes. Il faut que nous rentrer dans tout le détail. Mais le détail, moi-même, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais vous dire pour quelle raison. Oui? Premièrement, les David ou bien l'autre auteur qui a écrit le psaume, il ne va jamais mettre dans tête l'île pour faire un livre. Ni le poil diviser le livre là en ceci, en cela. Non. Deuxièmement, les David lui-même, ou bien l'autre auteur écrit en psaume, il n'y a pas en tête, il y écrit pour telle ou telle raison, c'est de préférence à le sentir, l'y exprimer. De la sorte que, les nous-mêmes n'avons parlé de psaume, eh bien, quand il y a nous venir avec Bataclan, logique, nous mettons chita à terre, donc nous fait déjà, selon moi-même, il y a parce que c'est en coucougnant là, nous venons mettre dans la tête auteur psaume. Non, c'est ça le fait, c'est ça effectivement le fait. Alors que normalement, nous ne connaissons pas ça. Nous connaissons justement un poème qui a écrit pour toute raison, pour toute circonstance. Ou qui a écrit parce qu'on a tristesse, ou qui a écrit parce qu'on est content. Ou qui a écrit parce qu'on a été mandolé, ou qui a écrit tout parce qu'on a senti que je dis là, ou capable de prendre le mot parce que l'inspiration est venue. Eh bien, c'est même bagaille là, oui. Donc, situation qui te fait que nous avons psaumes, c'est des situations de vie ordinaire, c'est des situations du quotidien. Donc, ça veut dire que les situations quotidiennes qui s'allient, c'est que nous sommes contents, c'est que nous sommes en joie, c'est que nous sommes posés, c'est que nous sommes en jubilation, c'est que nous sommes en tristesse, c'est que nous sommes en la peine, c'est que nous sommes en boulanger, c'est que nous sommes en espérance, c'est que nous avons des situations côté nous, par contre, il faut nous faire ou bien devant ou bien derrière. Donc, c'est toute bagaille ça. Oh, si c'est toute bagaille ça, nous gagnons. Donc, ça veut dire, c'est très facile pour effectivement nous saisir correctement que l'affaire psaume lui marié directement avec la vie. Et donc, si tout ça, on dit là, clair pour nous, qu'on y a, nous capables de faire un pas pour nous aller de l'avant. Qui ça nous a dit? Nous capables de dire. Il y a une grammaire élémentaire de la prière qui s'énonce en deux principes. Parce que Pabli et nous dit que psaume, c'est d'abord en prière. La louange est la genèse et la fin de la prière. Pas oublier ça. La louange est la genèse et la fin de la prière. Dans ce sens, on a dit psaume lui-même, c'est premier et puis grand. Prière, nous sommes capables de gagner à disposition. La louange et la supplication suffisent à décrire la totalité de la prière. La louange et la supplication suffisent à décrire la totalité de la prière. OK? Maintenant, les psaumes réalisent cela à perfection. Le psaume est un chant liturgique accordé au rythme sonore et souvent pointillé de rites divers. La réponse de l'homme est si pauvre comme créature et face au Créateur. La réponse de l'homme devant le Créateur est tellement insignifiante que normalement
le psaume devient exactement le texte poétique qui est le prétexte pour pouvoir maintenant nous adresser au Seigneur. Autrement dit, les nous gagnons toute qualité tribulation qui monte dans que nous, ou bien toute qualité joie qui monte dans que nous, eh bien, il faut nous jouer une façon pour nous faire bagaille ça, tourner une expression de notre gratitude, de notre regret, ou encore de notre situation devant notre Dieu. Eh bien, pour nous faire ça, et somnant, il faut qu'il aide nous. Et somnant, qui vaut une là. Pas que plus, en un sens, ça, on est capable de dire somnant lui-même, louange et supplication, eh bien, on peut le joindre tout dehors dans le psaume. Et le psaume, on peut le voir, à le chercher, jusqu'à ce qu'on joigne effectivement la réalité. Ça. Donc, c'est ça nous joindre. Maintenant, venons dire encore des choses sur le psaume. C'est la bouche qui parle de l'abondance du cœur. Mais justement, là, nous parlons de bouche. On est, il y aurait les gens, Chrysostome, il y aurait les lits justement la bouche d'or. Hein? La bouche d'or. Eh bien, parce que c'est ça Chrysostome, on l'a dit. Eh bien, Jean Chrysostome te dit comme ça que David psalmodiait dans les psaumes, nous psalmodions avec David. David psalmodiait dans les psaumes, nous psalmodions avec David. Autrement dit, métier psalmodia, c'est David qui invente. Élie qui met question. Donc, si nous avons besoin qu'on ait ça, ça veut dire psalmodie. C'est que David pour aller. Pas un autre monde, non. Ok. Alors, maintenant, qu'on y a là, la vocation la plus sublime de l'humain est un impératif appel à l'adoration et à la glorification de Dieu. Dans le langage usuel du christianisme liturgique, ce recueil de psaumes est appelé psautier, comme j'ai souligné cela il y a quelque temps. Okay? On avait tendance à le confondre avec un graduel ou un antiphonaire, si ce n'est avec le bréviaire. Je ne vais pas entrer dans le détail ça parce que je ne sais pas quoi nous besoin de nous-mêmes. Quittez-moi continuer le lit pour nous voir si nous joignons. La version du psautier utilisée pour la liturgie des heures provient de la traduction grecque des Septembres, faite avant l'ère chrétienne. Nous comprenons ça. Dans la Vulgate, Jérôme a fait une traduction latine de la Bible, le psautier connu trois versions. La seconde version, dite version en gallicane, rédigée vers 386, fut adoptée pour la psalmodie de l'office. On l'utilise encore jusqu'à présent, même si au XXe siècle, plusieurs révisions du psautier ont été faites. Donc, moi, dis-nous comment nous faisons un livre psautier à utiliser. Et parce que le livre psautier n'a pas oublié, non? Nous-mêmes, fidèles laïcs ou bien religieux, religieuses, nous ne sommes pas habitués à psautier. Nous habitués à psaume, nous ne sommes pas habitués à psautier. Mais dans le monastère, eh bien, c'est à psautier nous habitués. Parce que dans le monastère, c'est psautier à même yon gagné. Tandis que nous-mêmes, nous gagnons un brévière là, nous pas un psautier. C'est on dit différence. Mais nous ne pas prêter sous Tiba et ça. Non, certainement. Il faut nous dire ça aller plus loin. Donc, alors, quand nous venons aller plus loin, nous dit la psalmodie fait que Yahvé habite les hymnes d'Israël selon la belle méditation du psaume 21. Il doit en aller de même des chants de l'Église. Dieu doit trouver sa demeure et ses délices dans nos chants. Dieu n'a pas peur de fréquenter les humains. Et depuis l'incarnation, il devient leur voisin. C'est que le chant doit contribuer à construire en chaque fidèle l'édifice immense des merveilles du Seigneur et à prendre chair dans l'Église. Qui est-ce qui dit ça? C'est François-Xavier Ledoux
dans un article publié dans la Maison Dieu en 2012. Il était dit causer ça. Nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, ce qui fait que Zami Mio, c'est avec Frère Mio, nous devons comprendre que les n'a parlé de psaume, n'a parlé de utilisation de yon expression qui fait qu'on y en là, nous capables toujours chanter yon chant nouveau pour grand maître là. D'ailleurs, par trois fois, dans le psaume, nous jouons l'expression chanter au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Alors voilà, le chant nouveau pour le Seigneur, c'est d'abord le psalmiste qui nous le donne, et c'est le psaume qui livre le chant nouveau. Si c'est ça nous comprendre qu'on y en là, zanmi myo, venons en Ticras aller plus loin. Qui ça nous joigne? Nous joigne que nous sommes des êtres capables de louange, puisque nous le faisons. Nous sommes capables d'adoration, puisque nous adorons. Nous sommes capables de nous rendre meilleurs, puisque effectivement nous sommes sur le chemin de la perfection. Donc ça veut dire le psalmiste, eh bien, sa volonté, son désir, c'est de parfaire l'homme. C'est de parfaire l'homme par la louange. C'est de faire en sorte que cet homme soit toujours disponible en face de son Dieu. Et si disponible devant Dieu, il regarde son Dieu qui le regarde. Et en se laissant regarder par son Dieu, le voilà qui soit capable de chanter un chant nouveau. Eh bien, le voilà qui soit capable justement d'entrer dans l'adoration et donc de commencer par devenir meilleur. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Mais c'est ça. Donc ça veut dire que le chant nouveau vient directement du psalmiste, pour ne pas dire des psaumes. C'est comme ça, oui, cause à Timon Mayo. Alors, qui ça m'a capable de dire non encore sous réalité ça? Nous pouvons encore aller plus loin avec les relectures du Nouveau Testament et des évangiles en particulier. C'est dans le psaume 69, verset 5, que Jésus trouve inscrite la haine de ses ennemis qui provoque sa mort. C'est dans le psaume 41, verset 10, qu'est inscrite la trahison de Judas. C'est à l'aide d'une expression empruntée au psaume 41, 6, 12, qu'il traduit sa tristesse. Ainsi, Jésus est un grand utilisateur des psaumes. Utilisateur des psaumes dans sa prédication, mais utilisateur des psaumes comme orant, comme priant. Donc, ça veut dire qu'auto viré au gars de Jésus, ou joigne que, eh bien, lui-même, lui collé sous psaume. D'ailleurs, c'est peut-être ça, psaume si important pour nous dans la vie de l'Église, là, oui. Parce que Jésus lui-même était prié. Et donc, c'est-à-dire, le jeudi, au cours de la dernière scène, dernier repas probablement, Jésus et les siens ont dû entonner le grand Hallel. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, il aurait dû, il aurait pu, ou il avait pu, nous ne savons pas. Donc, sommes avec Femio, nous comprenons que Jésus est un utilisateur de psaumes. Alors, maintenant, venons en Ticras aller plus loin. Ça nous capable de dire, c'est que toute situation qui pourra le permettre de nous saisir Jésus comme sur la croix, comme angoissé, comme torturé par la souffrance, nous parlons d'une grande somme qui est tout prêt pour expliquer ça. Même le cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça vient d'un psaume. Ou encore, la vision messianique,
Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Donc, seulement avec Frère Mio, question de psaume, non, li extrêmement important. Nous avons besoin plus ou moins de notre identité. Qui ça nous est capable de dire nous, c'est que, en fin de compte, l'Évangile reprend souvent des textes de psaumes pour mettre en exergue, en évidence, le mystère de la personne de Jésus et de sa fonction rédemptrice. Donc, c'est-à-dire, avec les psaumes, nous avons relu l'histoire d'Israël, engendrée ou encore recomprise à l'intérieur de l'histoire du peuple du Nouveau Testament, c'est-à-dire à l'échelle de Jésus, le Christ lui-même. Maintenant, qu'on y a là, c'est deux psaumes d'appeler parler. Mais pas oublier, non, ce n'est pas psaume qui intéresse, non, non, c'est psalmodie, oui. Mais pour nous capables de parler de psalmodie, bien, il faut nous connaître qui ça psaumier. C'est peut-être ça n'a pas parlé de psaume. L'Église, en intégrant les psaumes sous forme de lecture, de réponse et de chant dans la liturgie, ne fait que imiter le Nouveau Testament où nous trouvons aussi 265 références au psaume. 265 références au psaume dans le Nouveau Testament. Les évangiles peuvent toujours nous rappeler qu'il n'y a pas de modèle de l'unique, mais cela ne les empêche pas d'aller chercher leurs arguments dans la tradition et dans ce qui était en leur temps la Bible, c'est-à-dire le livre des psaumes. Donc le livre des psaumes a été pour eux un vivrier permanent qui décrive le juste comme trahi, dépouillé, haï, rejeté. Le Christ est comme ce juste qui existe à tant d'exemplaires. Seulement avec Frémio, je ne dis presque grand-chose sur psautier. Je fais un petit campé sur psaumio. Et moi aider nous entrer dans intelligence réalité ça yo qu'on y a venu nous parler de psalmodie. La psalmodie, c'est d'abord le fait de prendre un psaume pour l'accorder à la voix du cœur. Le fait de prendre un psaume pour l'accorder à la voix du cœur en se faisant aider d'instruments de musique. C'est ça la psalmodie. La psalmodie, c'est la manière de chanter les psaumes. Et nous dit le plus simple comme ça tout le monde va comprendre. Maintenant, cette manière de chanter les psaumes, qu'il y a un bon monde qui pensait que chanter les psaumes, c'est la même chose que chanter. Non, ce n'est pas ça. C'est exactement là que nous avons arriver avec nous. Oui? Donc la psalmodie, ce n'est pas chanter comme on chante un chant. Parce que normalement, le psaume n'est pas un poème quelconque, n'est pas un texte quelconque, c'est justement un poème qui a son propre rythme, sa propre entrée à l'intérieur de la louange et du mystère. Le psaume est comme un tout, c'est une réalité qui est suffisante à elle-même. Dans ce sens, il y a une grosse différence entre psaume et reste livre dans la Bible. Il y a un certain de passages dans la Bible pour comprendre, il faut que tu aies déjà un prétexte là. Il faut que tu aies déjà un contexte là. Pour psaume, il n'y a pas besoin de toute histoire ça. Pour psaume, il suffit que vous compreniez un bagage simple. Et bagage simple, ça, c'est ceci.
comment nous ka rive dans vision qui permettent que nous exprimer que le cœur est capable d'adoration et donc du cœur à cœur avec son Seigneur et son libérateur. Voilà ce que dit le psaume. Alors donc, ça veut dire, quand il y a la logue, psaume dans la main, ou pas gagner un nom pour réussir dans un poème, pour déclamer dans un poème, ou qu'à déclamer un psaume dans un poème. Tout. C'est pas ça qui est vrai problème. Mais c'est que dans la tradition d'Israël, cette tradition qui est passée chez nous, dans la tradition d'Israël, le psaume était fait pour être psalmodié, c'est-à-dire pour être chanté et accompagné. Et être accompagné d'un instrument de musique. Donc, ce qui fait que, maintenant, pour psalmodier, tendez bien, s'il vous plaît, tendez bien, s'il vous plaît. Pour psalmodier, il faut trois éléments. D'abord, il faut le texte du psaume. Deux, il faut directement l'instrument qui accompagne, l'instrument de musique qui accompagne. Trois, la voix qui s'accorde aux paroles qui sont dans le psaume. Alors, je dis, pour psalmodier, il faut d'abord le psaume, et ensuite l'instrument de musique qui accompagne le psaume, et enfin, la mélodie qui concorde avec les paroles même du psaume. Trois bagailles, ça, yo indispensable pour nous parler de psalmodie. De telle sorte que, tout en m'a dit ça, et puis il y a eu rimoué, il y a dit comme ça, bon, mon sœur, ça raconte ça, l'a dit. L'aime dit que psalmodier, c'est bagaille qui est plus difficile nous gagner dans la liturgie catholique là, qu'on bon monde qui a rimoué. Et pourtant, c'est la vérité. Premier bagaille qui fait que c'est difficile, c'est que ordinairement, nous pas même gagné instrument musique là, ensemble avec nous pour psalmodier. Eh bien oui. L'instrument à cordes, qui est la sitar, côté nous joignons. Nous pas jeunes ni pour nous accompagner. Donc ce qui fait que la plupart du temps, nous gagnons un orgue, nous gagnons une guitare, mais ce n'est pas la sitar. Ce n'est pas l'instrument David lui-même qui était inventé et puis il l'a utilisé, ce n'est pas lui. Or, il n'a pas parlé de originalité de l'élément ça, nous obligés à aller justement côté bagaille hier. Et c'est ça que nous devons comprendre. Donc ça veut dire, premier bagaille, instrument musique là, bien que nous cap toujours gon sitar, mais nous n'avons pas toujours gain dans communauté yo, dans paroisse yo, des sitars qui sont disponibles et qui sont là pour accompagner le mouvement du chant qui est la psalmodie. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille, il y a la mélodie. En pile moun pense que la psalmodie c'est un chant comme les autres chants. Mais non. Parce que dans la psalmodie, la mélodie n'a presque pas d'importance. Je n'ai pas dit que ça n'a pas du tout d'importance. Je dis que ça n'a presque pas d'importance. Dans la psalmodie, ce qui compte, ce sont les paroles. Les paroles qui sont tirées à quatre épingles. Ce sont les paroles qui sont reines. Ce sont les mots qui sont rois. Ce n'est pas la mélodie. La mélodie, à la rigueur, on pourrait l'oublier, on pourrait même ne pas tenir compte de ça. Autrement dit, ce sont les paroles qui orientent la mélodie. Autrement dit, sans les paroles, on ne peut pas trouver la mélodie. Donc ça veut dire, on n'a pas en tête une mélodie et puis maintenant, on prend un psaume. Non. Pour nous parler de vraiment comprendre la réalité mélodique là, l'on a parlé de psaume, il faut nous comprendre que normalement psaume n'a existé avant. Et puis mélodie en vient après. Que mélodie a même qui doit disparaître et quitter psaume dans là. C'est ça pour nous comprendre. Oui? Et il est important pour nous comprendre tout j'ai force à eux qui gagne dans psaume. Là. Ensuite, donc ça veut dire voir lui-même, lui prêter tant avec énergie lui pour de façon pour lui accorder avec texte là. Donc c'est voix et puis mélodie pour qui accorder à texte là, c'est pas texte là pour qui accorder à yo. Texte là lui-même il premier, texte là lui ou t'a dit lui inamovible même. Et comme ça lié. Donc ça veut dire lié important pour moi même par contre comment pour m'insister sur bagage ça encore. Donc ça veut dire les pour nous joindre dans pour méditation entre guillemets
ou bien encore pour sous responsable y aller puis vini avec deux belles mélodies, deux belles chants, gain parti là-dedans. Oui oui, les gens ont dit mais c'est qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Donc c'est pour nous comprendre que faut nous respecter genre yo. OK, donc instrument musique là, mélodie hein, et puis gain tout oui, on l'autre élément important. OK, instrument musique mélodie, gain le corps. Le corps C-O-R-P-S. Eh bien, on compte ça passé. Pour psalmodier correctement tout, bon mouvement que corps a imprimé, et mouvement ça, balancement ça, il sorti directement dans le rythme parole là. Et dans le rythme parole qui est dans le psaume, dans le joignoir, si corps a balancé comme ça. Donc, quel que soit j'en la balance, mais ça veut dire là, je n'ai pas de psaume dans même, ni je n'ai pas de parole dans même, ni je n'ai aucune mélodie dans même. Donc, ça veut dire que je ne suis même capable de mimer ou singer pour nous qui s'est passé. Toujours est-il que, eh bien, gon l'autre réalité qui pral faire psalmodie en vie difficile pour nous, c'est la langue. Donc, nous-mêmes, nous prions en créole, nous prions en français. Mais, juif la li même qui t'a prié psaume dans. C'est en hébreu dans tes écrits, oui. Donc c'est dans la poésie hébraïque là, il est épuisé balancement, il a imprimé by col de façon pour être capable d'y directement entrer en dans ça qui dit la parole qui dit. Autrement dit parole qui dit, il dit quoi? Eh bien, maintenant qui route pour marcher, mais qui direction pour prendre, mais côté pour balancer, mais côté pour cadencer. Alors, me dit cadencer, ben, peut-être mon cadencer n'est pas correct du tout, non. C'est balancer pour qui correct, oui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une danse, ce n'est pas une cadence, c'est un balancement qui sortit directement dans le fond que mon an, pendant que l'y perdu en dans le psaume, non. L'y perdu en dans le psaume, non. L'y pas joué, non. C'est parce qu'elle perdit en dans le psaume, non, qui fait que son mouvement col fait. Son mouvement presque imperceptible pour lui-même, mais même s'il est bien visible pour nous-mêmes. C'est ça qui arrive avec. Psaume dans mes amis. Donc ça veut dire que là n'a parlé de psalmodie, n'a parlé de un bagage qui est extrêmement difficile. Alors bon y a venu on t'y casse mettez pieds nous sous terre. Mettez pieds nous sous terre, veut dire qu'on y a là, comment dans l'église qu'on y a nous-mêmes nous cap psalmodier. Et bien pour nous psalmodier dans l'église, c'est que nous avons résolu un certain nombre de problèmes. Nous avons dit que normalement la psalmodie peut se faire tout simplement sans instrument de musique et donc même si nous n'avons pas le corps, C-O-R ou encore la sitar. Ça ne pose aucun problème. On peut toujours psalmodier. Voilà une première chose, donc un premier élément de solution. Deuxième élément de solution, c'est que maintenant pour les psaumes, eh bien, les moines qui ont prié les psaumes et qui continuent à prier les psaumes, il y a des monastères qui prient les psaumes en une semaine, les 150. Il y a d'autres qui les prient en un jour. Il y a des moines qui prie les 150 psaumes chaque jour. De toute façon, c'est eux-mêmes qui étaient des grands pratiques de la psalmodie. C'est eux qui étaient en richesse pour nous dans ce sens-là. Les moines bénédictins, les moines trappistes, eh bien, ils ont quitté pour nous des trésors immenses sous point ça, au niveau de la psalmodie. Et qui ça a fait? Ils ont dit nous que normalement nous avons inventé des tons. Et c'est ainsi que pour psalmodier, nous avons 8 tons qui sont disponibles, que nous trouvons dans les monastères un peu partout dans le monde entier. Donc c'est avec 8 tons ça, oui, nous psalmodier. Donc ça veut dire 8 tons ça, c'est pas chant. C'est 8 tons comme si nous avons 8 initium qui permettent qu'on y a ou entrer ou à communiquer avec texte là, pour texte là, Dieu consacre que, eh bien, moi ouvert la porte là, on met à entrer. C'est texte là qui ouvre la porte là pour entrer, oui. Il ne sait pas ça, on va la donner, non. Mais comment causer à partir, ils ont mis mieux, c'est avec frère mieux. Donc, alors, voilà. Et puis, donc, ça veut dire, pour qu'on y en là, on a psalmodié dans l'église, moi dit, nous éliminer instruments musicaux, mais nous, on doit remplacer directement par. Yon bagaille très simple, très discret, très subtil. Tant qu'on yon petit chant orgue qui a crié
ou bien un petit son violon qui a crié, ou bien une petite touche guitare qui lui-même ou presque pas attendait. Donc, ça, ou qu'a fait. Mais, moi, dis bien ou qu'a fait. Mais, ou pas obligé de faire. Parce que ça qui est plus important, c'est voir qui porte la parole là. Donc, ça veut dire, si vous avez un psaume responsorial, ou un psaume dit, et puis personne ne pas ni tende, ni comprendre la parole, ça veut dire que c'est peine perdue. Et pas seulement peine perdue, non, c'est la fin du monde. Donc, l'important, amis mio, sœurs frères, pour nous bien comprendre ce qui a passé là. Donc pour nous psalmodier, nous connaissons voix nous qui portait parole là directement, c'est pas mélodie, hein. Mélodie pas gagné pour nous en cause. Mélodie, il pas même 25% dans psalmodier. Hein. C'est parole là qui tout. Donc parole là, il martelé ou porter parole là. Parole là envahit tout côté net, le n'a parlé de psalmodier. Et bien entendu, ou pour psalmodier, eh bien, il faut qu'on gagne une voix qui respecte prosodie qui est dans le texte là lui-même, qui respecte musicalité texte là, même s'il traduit en français. Oui, il faut gagner ça. J'en vois un jour là. Tout ça, les amis, les bagages, yo important. Et je t'ai souhaité nous prendre temps nous pour nous récapituler ça me dit jodi en sous psalmodien pour nous mettre en pratique. Donc ça veut dire dans chorale yo dans communauté yo chant yo moun instrumentiste ou bien musicien yo eh bien faut nous retenir bagay ça yo. Un, psalmodien c'est pas un chant en tout chant. Deux, psalmodien lui-même c'est seulement un psaume ou cap psalmodier. Trois, psalmodien lui-même, il gagne à peu près 8 tons, mais ton ça yo, c'est pas comme si m'ta do des mélodies. 4, psalmodien lui-même, il marche avec un instrument de musique, mais nous-même nous ka fait sans instrument de musique. 5, si un instrument de musique pour qui accompagner psalmodien, eh bien faut que instrument ça discret et comme si m'ta do li imperceptible. Et 6, moun kap psalmodier lui-même c'est parole yo pour le faire entendre, c'est pas mélodie pour le montrer, pour le présenter. Donc là nous prend 6 bagages ça nous mettez en chita, nous mettez ensemble, nous résumer, nous dit ah qu'on y a nous plus ou moins commencer comprendre ça veut dire psalmodier. Ça veut dire psalmodier. Donc ça veut dire chance moi-même m'ta souhaité nous tout gagner, c'est que nous commencer apprendre psalmodier et pour nous faire différence entre psalmodier et chanter et cantiller. Justement, je parlais de cantiller parce que je souhaitais prochain point, c'est ça, nous allons le prendre pour nous capables de clôturer le cycle qui a rapport avec chant, psalmodier et puis cantillation. Ok, qui sait qui t'a arrêté pour me dire nous encore? Ça pour me dire nous encore, c'est merci. Merci. Merci d'être que nous t'es patient jusqu'à présent dans l'émission ça. Donc on me dit nous, le meilleur est à venir. Parce que le meilleur, tant qu'aujourd'hui, je vais plus ou moins des informations pour me dire comment pour nous psalmodier, comment pour nous faire. Eh bien, le meilleur est à venir dans le sens ça tout. Parce que là, nous allons entrer directement dans le chant, dans le répertoire. Nous allons dire ça pour faire, oui. Nous parlons seulement de théorie, non? Nous parlons de ça qu'on fait et comment vous le faites tout. Donc ça veut dire, dans ce sens, ça, nous parlons de mais ça l'Église toujours dit, et mais ça l'Église recommande, et mais ça l'Église mandé pour qu'il fête dans tel ou tel domaine déterminé. En tout cas, et merci, Mouette, pour me dire non, pour disponibilité, non, pour nous aller plus loin. Avec moi, dans l'émission L'Église locale d'Haïti et la musique sacrée. Est-ce que vous avez aimé l'émission aujourd'hui? Hein? Bon, aimé ou pas, c'est que certainement, il y a un élément en plus pour vous. Au moins, il faut comprendre que bagay sacré, bagay sérieux, bagay jouette la donne. Il faut que vous mettez ça dans la tête, tout, certainement. Merci de ce que vous apprenez dernier conseil ça à tout dans l'émission aujourd'hui. Hein? Merci de ce que vous pouvez partager l'émission ça avec l'autre. Vous pouvez le faire passer en dans le choral, en dans le monde qui habite à chanter. Vous pouvez le faire passer dans la communauté liturgique, de façon pour vous connaître
pour yo connait parce que nous avons trop ignorance dans la liturgie qu'a fait dans l'église catholique en Haïti. Nous avons trop ignorance. Donc ça veut dire faut nous diffuser au maximum information correcte sous à faire l'église, sous à faire les choses de la foi de façon pour nous gagner moins erreur qu'a fait dans célébration nous. Dernier merci à Zébo Carl André qui preneur de son et d'image qui pourra le servir avec ça pour lui faire un montage et puis pour le bas un document disponible de façon qu'on y a là ou même ou qu'à joindre sur YouTube, sur chaîne nous ou bien sur l'autre plateforme nous. Donc comme ça, il mérite considération, il mérite gros merci. Nous dit Carl André gros merci. Alors voilà, ces derniers petits causes de besoin partager ensemble avec nous. Moi, dis-nous à la prochaine, de ça nous pourra le tourner. Certainement, c'est de cantillation nous pourrons parler. Et en deux cantillations, nous pourrons voir l'autre petit trésor encore qui vient dans l'église là que peut-être nous pas de gens suspectés. Quant à moi-même, moi dis nous, eh bien, nous pas besoin d'inquiéter nous. C'est aller mal aujourd'hui, hein, même à tourner après, pour nous continuer la belle aventure à travers l'église locale d'Haïti et la musique sacrée. Merci beaucoup.